Je t'ouvre, j'espère que ça va bien. Je reviens à mes anciens amours et je prends mon ancien ordinateur pour enregistrer parce que l'autre, ça avait aucun sens. Ça prenait 3 heures et des fois 4 pour uploader les vidéos et des fois, il fallait que je recommence à moitié. Donc, pour les personnes qui m'entendaient mal, je suis désolée. Montez le volume. J'ai essayé de parler fort. Donc, on va aller voir quoi faire, de quoi se débarrasser dans la pleine lune pour obtenir qu'est-ce qu'on veut. Comment bouger les énergies. Pour les personnes un peu plus wou-wou. What? C'était pas égal. OK, on va sauter direct. Si ça répond pas à votre histoire, ça se peut que ce soit juste pas ça. Sinon, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regardez les titres. C'est pas égal. Ici, c'est le Yuzi, c'est le tarot, comme on peut voir. c'est un tarot qui ont ajouté aussi les phases de la lune. Puis moi, ici, comment je l'interprète, c'est en ce moment. Quand j'enregistre ça, là, c'est exactement ça qu'il y a dans le ciel. Puis comment je l'interprète ici, c'est que c'est pas égal. Vous donnez beaucoup à quelqu'un, ça se peut aussi que quelqu'un vous donne beaucoup, puis c'est pas réciproque. L'autre personne prend beaucoup de place. Regarde, l'autre personne, là, cette d'épée et le soleil. Chaque carte a du positif et du négatif. Ici, comment je le vois, c'est que l'autre personne se faire tromper, c'est pas nécessairement juste par rapport à quelqu'un qui couche avec quelqu'un d'autre. Ça peut être de la manipulation, du mensonge, tout ce qui est... Puis le soleil, ça peut être le lion, c'est le signe du lion. Sinon, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui est très lumineux. Qui est très lumineux et qui sait exactement quoi faire, sur quel piton peser pour vous rendre heureux, heureuse et quoi dire pour que... Oh, c'est pas grave, là, s'il m'a menti un peu. Oh, il m'a pas vraiment manipulé, dans le fond. J'ai peut-être compris quelque chose que... C'est pas égal. Yeah. Peu importe ce que vous faites avec cette relation-là, avec cette situation-là. Puis là, c'est pas nécessairement en amour, là. Ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est quelqu'un qui vous fait sentir que ce que vous mettez dans la relation ne vous est pas retourné. Ici, on a le petit page de bâton à l'envers avec le pendu. Puis ça ici, comment je vois ça, c'est comme le défi qui est dans le fond un cadeau. Changez votre perspective. Changez votre perspective, puis arrêtez de demander trop petit. Vous demandez peu. Tu sais, quelqu'un qui dit oui à tout puis qui prend pas sa place, le monde s'habitue fucking vite à prendre la place, tu sais, comme à prendre de cette personne-là, puis à pas y laisser sa place. Petit message. Je sais, il y avait beaucoup de haine. Il y avait de la hargne. Je suis désolée. Donc, on va aller voir l'autre. Puis l'autre, ça peut être une situation aussi. C'est pas nécessairement une personne. Ça se peut aussi qu'on parle de parents par rapport à leurs enfants. Petit message comme ça. Ça se peut-tu que l'autre personne, ce soit quelqu'un d'un peu toxique? 9 et 10 d'épée. C'est quelqu'un qui pense que tout le monde le trahit ou l'a trahi, mais dans le fond, c'est cette personne-là qui le fait par elle-même. C'est quelqu'un qui dort très mal, c'est quelqu'un qui vous fait mal dormir, c'est quelqu'un qui vous donne de l'angoisse, et c'est quelqu'un qui le sait très bien, il le fait délibérément. Et c'est dark. On s'en va dans le dark, là, pas à peu près. Puis le pire, soit que c'est un membre de la famille ou c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment pensé bâtir quelque chose de solide, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, que ce soit en amour, que ce soit... C'est quelqu'un avec qui vous voyez littéralement passer votre vie avec cette personne, que cette personne-là ou que cette situation-là soit dans votre vie. 4 de bâton, là, OK? 4 de bâton, ça peut être aussi... Pour moi, c'est la carte qui peut symboliser un petit peu la flamme jumelle. Est-ce que vous pensez que cette personne-là, c'était une flamme jumelle? Puis vous faites comme, oh, mais c'est pas grave que la personne me trompe. C'est son enfant intérieur qu'il faut qu'il guérisse, puis il faut qu'on le travaille ensemble, fait que c'est pour ça que je laisse plein de chance. Qu'est-ce qui vous nuit? Ouais. C'est pour ça que des tirages flammes jumelles, j'en fais plus, parce que je me rends compte que ça l'a... Toute cette histoire-là de la flamme jumelle, je dis pas que ça existe pas, je dis pas que c'est pas ça que vous vivez, mais j'ai l'impression que ça l'a créé une espèce de névrose, que maintenant,
surtout les filles, c'est tout le temps des filles, puis c'est rare que les gars font comme « Oh, mais je vais lui laisser sa chance. » Non, non. C'est encore des situations d'abus. Elle l'a dit. Oh, mon Dieu, j'ai senti littéralement du monde se désabonner, puis des petits pouces vers le bas. Hey! Ouais, c'est une chaîne où est-ce que je dis qu'est-ce que je pense. Fait que voilà. Qu'est-ce qui vous nuit? Ouais, l'ermite à l'envers, vous le savez. Vous le savez. L'ermite à l'endroit, là, c'est quelqu'un qui sait se faire guider par sa propre lumière. Parce que dans sa petite... ici, là, il y a une... je vais le dire. Une lanterne. Puis la lanterne, c'est l'étoile du Verseau, l'étoile de la guérison qui est dedans. Puis il suit son étoile, il suit sa bonne chance, il sait vers où aller. Parce qu'il s'écoute, puis il comprend c'est quoi qu'il entend dans sa tête. Ici, là, vous avez comme un... Vous n'êtes pas capable de vous écouter. C'est ça aussi le pendu. Il faut vraiment faire le sacrifice. Il y a comme un sacrifice à faire, puis un changement de... Hey, tout à l'envers. Qu'est-ce qui vous nuit? Le 8 et le 9 de Pentacle à l'envers. La personne ne veut pas travailler avec vous. La personne ne veut pas travailler là-dessus. Elle ne travaillera jamais là-dessus. Puis qu'est-ce que vous pensiez que c'était un... Pensiez que c'était quelqu'un qui allait vous sortir de votre célibat, qui allait vous sortir de votre situation que vous sentez seul, ça fait... Vous êtes dans un couple, mais vous sentez seul. Vous êtes dans un couple, mais littéralement, c'est comme si vous êtes célibataire parce que l'autre personne fait qu'est-ce qu'elle veut, puis vous passez souvent des soirées tout seul, vous faites comme, pourquoi il ne me texte pas? Pourquoi il ne rappelle pas? Puis le lendemain, oh ouais, je suis avec mon ami, puis finalement, il était avec une autre fille. Littéralement, c'est ça. Donc, c'est quoi la leçon? Je le sais. Je le sais que du monde va faire comme, mais oui. Donc, là, je le sais que je parle d'un couple, mais ça se peut aussi que ça s'ajuste à une situation de travail. Peut-être aussi un... Faut pas avoir peur de partir. Il y a du travail dur qui s'en vient à faire. T'sais, il y a du travail sur vous. Pourquoi est-ce que vous laissez faire comme ça? Autre que dire, c'est ma flamme jumelle. Flamme jumelle, ça veut pas dire que c'est une personne qui va rester dans votre vie tout le temps. Hein? Puis on a été vraiment conditionnés, surtout les filles, là, les gars aussi, là, je pense. Là, mais je pense que les filles, on y croit plus de dire flamme jumelle, ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir me fier toute ma vie. C'est quelqu'un qui va rester dans ma vie toute ma vie. 8 fois qu'elle va dire le mot vie. Là. Puis c'est quelqu'un sur qui, peu importe ce qui arrive, va toujours m'aimer, puis tout ça. C'est ça que ça l'a créé. C'est le syndrome, encore une fois, des princesses Disney. On attend en tournant en rond dans nos belles robes que le prince arrive puis qu'il nous aime toute notre vie. C'est encore ça quand dans les réalités, c'est pas ça. Je suis désolée, je sais qu'il y a du monde qui vont faire comme, c'est qui cette fille québécoise qui ose dire des choses comme ça, mais c'est vraiment ça, ça crée une névrose. La prise de conscience. Roi de Pentacle. J'ai le feeling qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, d'habitude c'est juste vous, là, mais la prise de conscience va venir, il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous considérez un peu comme une figure paternelle, quelqu'un de plus vieux que vous, quelqu'un de très bien groundé, quelqu'un qui sait très bien investir dans les bonnes choses, qui va faire comme... Ou, ça se peut aussi qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, je ne parle pas de cette personne-là. Cette personne-là, elle revient tout le temps dans votre vie jusqu'à temps que vous brisez le cycle. Est-ce que ça se peut que vous avez rencontré quelqu'un ou quelqu'un qui va vous aider à voir qu'il y a quelque chose par rapport à une seconde chance? T'sais, littéralement, la vibe, là, c'est quelqu'un qui va dire « Hey, c'est pas lui ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, c'est quelqu'un qui veut ton bien puis qui t'aime. » Tu sais, là, la personne avec qui t'as sorti, je sais pas moi, il y a 10 ans, cette personne-là, il avait de l'allure. Puis il t'aime encore. Tu sais, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. Mais c'est quelqu'un que vous considérez bien parce que c'est quelqu'un qui est très bien établi. Quoi changer? Autre que l'espoir, là. Quoi changer? C'est ça que ça fait, les fucking flammes jumelles, c'est qu'on a tout l'espoir. C'est de l'avoir l'espoir que l'autre va toujours revenir parce qu'on est des flammes jumelles. Quoi changer? L'impératrice à l'envers. Flamme jumelle, dans mes quatre flammes jumelles, c'est le 4 de bâton, l'empereur et l'impératrice. Puis là, c'est à l'envers. C'est pas votre personne. Et la mort à l'envers. C'est d'être vraiment honnête avec soi-même, puis de faire comme, OK, l'impératrice, là, peu importe qu'elle ait son empereur autour d'elle ou pas, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre des décisions par rapport à comment est-ce qu'elle se sent.
Est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation-là? Moi, je le sais tout de suite que c'est non. Vous vous sentez trahi, vous sentez... Il y a comme de la glace. Il y a comme de la glace à moitié toute de votre être qui vous... qui est comme de la... Vous avez de la misère à vous en débarrasser parce qu'à chaque fois qu'il vous trompe, qu'il vous manipule, qu'il vous ment, puis je dis « il », ça peut être « elle », ça revient tout le temps, cette espèce de sentiment-là. Mais non, mais il faut qu'on reste ensemble parce que si on est supposé être ensemble. Non, l'impératrice, ça fait comme non. Fait que quoi changer, c'est de ne pas avoir peur de la transition. Vous avez peur de laisser partir la personne parce que vous dites « c'est ma flamme jumelle ». Si c'est vraiment votre flamme jumelle, croyez-moi, vous allez laisser partir la personne, elle va revenir. Peu importe. Fait que faites juste le test. Faites juste le test. Puis quand la personne ne sera pas dans votre vie, croyez-moi, vous allez vous sentir mieux. Alors, c'est quoi l'aide extérieure et où l'action à prendre? Chariot. Chariot avec le chevalier de coupe. Ça, c'est vous, là. Chariot, c'est de prendre la décision qui est la bonne pour vous et d'y aller avec votre cœur. C'est pas une bonne décision de toujours rester avec cette personne-là parce que c'est pas égal. Que ce soit en amour, que ce soit en famille, que ce soit dans une job, c'est pas égal. Fait que c'est vraiment d'aller chercher votre propre couple à vous. C'est vraiment d'aller chercher votre propre... c'est de prendre une décision puis de le suivre jusqu'au bout. Pas juste de dire comme « oh non, mais ça va être... » Non. Vous prenez la décision, vous faites comme « non, là, ça fait, je ne reprends plus cette personne-là. Je ne reprends plus cette situation-là qui est néfaste pour moi. » C'est néfaste, là. C'est néfaste! Oh my God! Donc, l'énergie à... Fonce. Fonce. Tu sais, Bélier, c'est ça fonce. C'est en feu, puis ça fonce. Je suis. Qui je suis? Je suis pas une personne qui se fait tromper comme ça. Je suis pas une personne qui se fait littéralement manger la laine sur le dos. Là. Ça fait. Ça fait! Ah oui, on y va. Bref, je vous souhaite une bonne fin du mois de novembre.